Oh, let's go enfin sur le dernier. What? Let's go. Purée. Oh. Allez, 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 allez. Avant que la vidéo commence, les gars, vous avez sûrement vu, mais elle dure 50 minutes. Donc posez-vous avec des bonbons, des pop-corn, enfin mangez quelque chose, des chips, j'en sais rien. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo et n'oubliez pas de chercher le code secret pour le huge gratuit. Allez, bonne vidéo tout le monde. Ok les gars, dans cette vidéo, il y a tout ça à gagner, oui oui, et un huge en plus, vous rêvez pas du tout. Regardez-moi ce huge, comment il est trop beau. Et aussi les gars, l'overboard est à gagner aussi. Donc vous avez l'overboard, un exclusif dragon, plus un huge. Le huge c'est de la part de Anfri. Bon, le pseudo, j'espère que je le prononce bien. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi il ressemble les gars, le huge, dans l'event. Regardez, non mais wesh, pourquoi ça m'a mis carrément le mauvais pet. Regardez les gars, oh lololo. Il est vraiment masterclass. Oh frère, je sais pas parler. Dans tous les cas, voilà les gars, les trois choses à gagner. Et donc pour participer, ça va être très simple les gars. Si jamais vous voulez gagner le huge, il va falloir marquer le message secret. Ça sert à rien de me dire dans les commentaires je participe pour le huge blablabla. Si vous mettez pas le message secret, vous participerez pas les gars. Donc le message secret il sera affiché comme ça en gros, de cette couleur. Et pour tous ceux qui veulent pas chercher le message secret parce qu'ils ont pas envie de regarder ma vidéo, qui veulent juste participer, vous pouvez participer soit pour la licorne en mettant votre pseudo Roblox, ou alors pour l'overboard et vous me dites lequel des deux vous voulez. En tout cas, bonne chance à tous et puis bonne vidéo. Ok les mecs, c'est parti pour tirer au sort le vainqueur du huge. Let's go, on perd pas plus de temps. Et ça va être le ALB6ES. Bon frère, le pseudo laisse tomber. Incroyable la vidéo, QQ chiche. Mon pseudo c'est FiriusJumper09. Ok, et bah c'est parti, on va lui envoyer. Et du coup le message secret les gars c'était QQ chiche. Donc bien joué à toi. Ok les gars, on est directement dans le jeu. Et donc c'est parti pour envoyer le vainqueur du huge. Et frère, là c'est quand même un huge de fou. Et donc il a gagné le huge de Nono. Donc gros GG à toi, GG et merci à Nono. Hop, envoyé. Oui, oui, et envoyé. Let's go. Premier cadeau et le huge envoyé. Ok, c'est parti pour tirer au sort les deux autres vainqueurs. Et donc, on a le Jules et Léo. Message secret QQC, mon pseudo c'est Jules, je voudrais le huge mécatronique. Et bah malheureusement pour toi, t'as été tiré en deuxième. Donc, tu ne vas pas gagner le huge, mais un exclusif. C'est un peu triste, il a été tiré en deuxième, les gars. Mais bon, malheureusement, c'est le jeu. Le huge, il a déjà été tiré au sort. Du coup, tu vas gagner le Neon 4. Ou non, tu sais quoi, attends. Le Thunderbeer, je crois qu'il vaut plus cher. Ouais, voilà. Je vais te donner l'Opet qui vaut plus cher, comme ça. GG, hop, gros GG à toi. Boum, 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 boum. Et cadeau envoyé. Ok, on passe directement au dernier vainqueur. Ok, c'est parti pour le dernier vainqueur. Et c'est Thomas. Je participe, mon pseudo est Toto pour le huge. Alors lui, les gars, déjà, il demande d'avoir le huge alors qu'il a même pas mis le code secret. Donc frère, qu'est-ce que tu racontes? Espèce de neuil mid. Ok, Toto, c'est parti. On va lui donner le Neon 4. Boum, hop, 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 gros GG. Et on va envoyer directement le cadeau. Boum. Ok, cadeau envoyé. Ok les gars, c'est parti pour le Forever Pack. Oula, wesh, il se passe quoi? Ok, il y a des petits œufs qui ont pawn. Qui ont pawn, ça va rien dire. Ok, bon, c'est la merde. Ok, alors pourquoi je vais acheter le Forever Pack? Déjà parce que j'ai toujours pas le Quantum Agony. En plus, il y a un nouveau huge. Et en plus, il y a un abo les gars, qui a eu 1000 dés arc-en-ciel. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, 1000 dés. Du coup, je me suis dit, bah moi aussi frère, je veux 1000 dés arc-en-ciel. Du coup, c'est parti. On va pigeonner un petit peu. De base, je voulais mettre 60 balles. Voilà, je vous le dis direct. Je voulais mettre 60 balles. Mais je me suis dit, pourquoi au final mettre 60 balles quand tu peux mettre que 20 balles? Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai mis que 20 balles. Et si jamais on a des dingueries après, ou alors qu'on a eu que de la merde, et bah je remettrai 20 balles. Hop, ok, on continue. Pour l'instant, on a que de la merde. J'aimerais bien avoir des trucs bien, parce que là, on est déjà à 1500 Robux. C'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Mais c'est pas grave. On enchaîne, on enchaîne. Ok, on a des petits œufs, mais je sais pas si je vais les ouvrir. Je pense que je vais les ouvrir, mais on verra. Ok, 400. Ah, ça commence à faire mal alors qu'on a toujours rien. Frère, j'ai même pas de dés. Wesh. Pourquoi j'ai pas de dés? 600. Oi, oi, oi. Ok, là, ça va être le moment crucial où on va voir s'il y a des trucs rentables ou pas. Oh, dis-moi que c'est des dés. Ok, 150 dés. Ok. Ouais, mais là, est-ce que c'est rentable ou pas? Je pense que je vais continuer, tu sais quoi. Je vais continuer, mais je remets genre... je remets 20 balles, sans plus. Je vais pas mettre 60, je vais mettre juste 20 balles. Comme ça, c'est pas si pire, tu vois. Donc attendez, là je suis en train de... Ching ching, hop, voilà, direct. Parfait. Et puis je verrai mes comptes secondaires aussi, si je peux pigeonner. Peut-être que je pourrais. On verra. Ok, c'est parti, on enchaîne. C'est rare que je vais aussi loin dans les Forever Packs, mais... Pourquoi pas, hein, les gars. En vrai. Ok, bon par contre là je pense que je vais m'arrêter. Il me reste combien de Robux? Ouais non, c'est pas rentable. Je vais garder mes Robux les gars pour la prochaine fois. Ou alors je peux acheter aussi le trône en vrai. Je l'ai ou pas le trône? Faites voir. Je crois que je l'ai même pas. Non, je l'ai pas le trône. Il vaut combien, attendez? Parce que je peux l'acheter? Non, je peux pas l'acheter. Bah, je vais acheter le trône en vrai.
C'était pas ce que je voulais acheter de base, mais on va l'acheter. Et puis tous les Robux qui restent, bah, je vais les garder pour le prochain Forever Pack. Bon, je suis un peu dégoûté, j'aurais pas eu les 1000 dés malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On a eu quand même quelques dés. Donc on va faire un pack opening, on a eu quelques œufs. Donc bon, c'est pas le truc le plus rentable de l'année, mais ça va, genre. Genre ça va. Je suis un peu deg, mais ça va. Tu vois ce que je veux dire? Je suis mitigé. Allez, on va aller vite fait, hop, au château. Parce qu'il y a un petit coffre à casser. Hop. Oh, il y a des œufs qui ont spawn. Ah, il y a des œufs en bas. Que de la merde. Wesh, dégage de là, toi. Ok, attendez. Où est-ce que il y a les coffres? Attends, mais il y a marqué qu'il y a un coffre qui a spawn, je les vois même pas. C'est faux, attends. Wesh, bah c'est faux. Mais je jure, il n'y a pas de coffre. Ou alors il est caché quelque part, le coffre. Bizarre. Enfin bref, on va ouvrir nos petits dés. On va ouvrir nos œufs aussi. Puis bonne chance, hein. Hop. Ok, là il me faut des dés comme ça. Des dés, hop. Attends, je peux pas faire des dés avec les bleus? Ça sert à quoi d'avoir des dés bleus du coup? Ça sert à rien. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, on a combien de dés du coup? Ben, on n'en a pas beaucoup, hein. Mec, il en a eu tellement. Je suis jaloux. Hop, c'est parti. Premier dé et 800 000. Ok, pas ouf, mais c'est pas grave. C'est mieux que rien, on va dire. Hop, boum. Ici, on a quoi? Ah, mais j'ai déjà tout amélioré presque. Hop, on enchaîne. Les petits dés. Oh non! Non, ça roule trop vite, j'ai même pas le temps de l'enlever. Wesh, c'est trop rapide. Ok, c'est parti. What? Il se passe quoi? Wesh, mais il se passe quoi? Mon dé, il s'est mis ou il s'est pas mis? Je comprends pas. Wesh, c'est trop bizarre. Wesh, mais attends, c'était bugué là. On en parle ou pas que c'était bugué? Touloum. Hop, on continue. Un petit dé. C'est parti. Ok, 1 000 000, pas ouf. Pas ouf. Il nous en reste combien là? En vrai, je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé avoir les 1000 trucs. Il nous reste 2 dés. Ok, c'est parti. Avant-dernier. Hop. Ok, nul. Frère, donnez-moi un truc bien, je sais pas. Je vais tester mes comptes secondaires après, je pense. Parce que là, c'est pas possible de rien avoir. Ok, et le dernier. Pour la route. Hop, c'est parti. Bon, bah, c'est vraiment trop nul. Bon, bah, tant pis, les gars. Au moins, on aura tenté. C'est le principal. Les mecs, en fait, j'ai oublié. J'ai oublié, mais il y a des œufs aussi. On va ouvrir les œufs. Ouvrir nos petits œufs. C'est parti. On va faire un par un, pas trois d'un coup. Parce que trois d'un coup, sinon, on va avoir de la merde. Ok, attention. Ok, le premier. Oh, Rainbow, ça va en vrai. Rainbow Classic Bunny. En vrai, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Ok, un deuxième, c'est parti. Tudududum. Rainbow encore, let's go. Classic Dog, ok. Très stylé. Double Rainbow. Ok, le troisième. Si on peut avoir le dragon en Rainbow, je dis pas non. Ok, attention. Classic Dog, dommage. Ok, il nous reste 3 œufs. Allez, on continue. On rappelle que je n'ai jamais eu de huge dans les œufs exclusifs, alors que j'ai ouvert énormément d'œufs exclusifs. J'ai jamais eu de huge. On sait pas pourquoi. C'est comme ça. Donc un jour peut-être. Un jour sera mon jour. Ok. Classic dog, nul. Et le dernier, c'est parti. J'aurai jamais rien dans les œufs. C'est vraiment une dinguerie. Alors que c'est quand même 2% de chance. Bah frère, c'est vraiment trop une dinguerie. Rip, rip, rip. C'est pas grave, c'est la vie. On aura testé. Oh! Allez, 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 allez! Sorcier! Non, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Let's go! Bon, je m'attendais au sorcier parce que je l'ai toujours pas, mais un jour peut-être je l'aurai. W! Ok, c'est très bien, très très bien, je suis content, enfin. Enfin un bon truc. Ça faisait longtemps quand même. En tout cas, sur mes petits comptes, je crois que j'ai pratiquement jamais eu de huge. En tout cas, sur la nouvelle mise à jour. L'ancienne RNG, j'avais plein, mais là, première fois. Dans la partie 2. Un petit huge. Let's go, baby. Il est stylé en plus. J'irai le transférer après. Et voilà. Petit huge Shinobu dans la poche. Nice, nice, nice. Ok. Bon, bah maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va éclore nos œufs. Enfin, nos œufs. Pas nos œufs. Mais pourquoi c'est flou comme ça? Wesh. Wesh, pourquoi c'est flou? Attends, je vais sortir de là. C'est pas possible. C'est méga flou. D'ailleurs, wesh, mais c'est encore flou. What the fuck? Il y a quelqu'un qui devait m'envoyer un huge. On va voir si c'est vrai. Oh, petit cadeau. C'est un boss. Je vais screener. Nice. Il m'avait dit qu'il me l'enverrait. Attendez, je vais le mettre. Il est où? Il est là. Pop, pop, pop. Ok, nice. Regardez, les gars. C'était le seul huge qui me manquait. Maintenant, je les ai vraiment tous. Regardez. J'ai le nouveau sorcier, le Shuriken Corgi, le Nucléar, le Jellyfish Abyssal, le Corrupted Butterfly, le Temporal Owl, le Huge Mécanique Robot, le Atomic Force Shard du Forever Pack et le Quantum Agony du Forever Pack. Du coup, j'ai tous les huge. Vraiment tous. Il manque juste les Titaniques. Mais bon. Les Titaniques, voilà quoi. Voilà. Par contre, du coup, le seul que j'ai pas packé, c'est celui-là. Donc, il faudra que je le pack celui-là parce que, comme c'est pas le mien, enfin, c'est le mien, mais c'est pas vraiment le mien. T'as capté. Ok, c'est parti en tout cas pour faire tous nos dés. Hop. Est-ce que j'ai des dés bleus aussi? Parce que si j'ai des dés bleus. Ah, j'en ai que 3, donc c'est pas grave.
J'en ai 3 donc ça me ferait un arc-en-ciel donc c'est pas ouf de toute façon. Hop. Bon bah les gars c'est parti hein. On va regarder s'il n'y a pas un petit coffre d'ailleurs. Mais j'ai pas l'impression. Non. Et on va regarder derrière aussi. Parce que derrière il y en a un. Non il n'y en a pas. Ok. Et bah c'est parti hein. On va croiser les doigts. Et puis on va espérer avoir un truc. Mais avant. Avant le Forever Pack. Est-ce qu'on peut avoir des trucs bien s'il vous plaît? J'ai 287. On est pas mal. On sait jamais hein. En vrai, des fois, avec un peu de chance. Ah, pas ouf la chance là. Je vais quand même essayer un petit peu. On va voir. Mais j'espère derrière, j'ai pas un truc de ouf parce que. Ok, non, ça va. Et derrière, c'est quoi là? En rouge. C'est soit les Fire Dice, soit ceux-là là. Mais ça a pas l'air d'être les méga lucky. Ouais, donc dans tous les cas, c'est pas ouf. Mais ils ont l'air quand même stylés, hein. J'arrive pas trop à savoir. C'est peut-être les comme ça, là. Mais on dirait qu'il n'y a pas de vert. Donc je sais pas. Si vous savez, vous me direz en commentaire, les gars. En tout cas, du coup, on a récupéré un peu de dés. Bon, pas énormément non plus. Mais ça nous permet de faire 7 dés. Donc c'est pas non plus ultra dégueu, on crache pas dessus. Et on a combien de dés bleus? On a 50. Ah bah alors là, attendez. Alors là, bougez pas. J'ai une strat, les gars, pour tous ceux qui ont des dés bleus et qui veulent convertir leurs dés bleus en dés arc-en-ciel. C'est très simple, vous rejoignez un serveur privé. Mais quand je vous dis un serveur privé, c'est un serveur vraiment privé. Et normalement, ça marche. En tout cas, depuis 3 jours, moi, c'est ce que je fais. Non, pas 3 jours. Si, 3 jours, si, si. On est mardi. Moi, depuis 3 jours, je fais ça, les gars, et ça marche très bien. Donc, voilà. En gros, pour ceux qui n'ont pas la strat, serveur public, c'est les dés dorés jusqu'à arc-en-ciel. Et les serveurs privés, c'est les dés bleus jusqu'à arc-en-ciel. Voilà. Donc là, regardez bien. Tadam! Et ouais, les gars, je vous avais dit quoi? Donc là, on peut se faire carrément 10 dés en plus. Non, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Ok, il va bah très stylé. Je vais juste attendre un petit peu. Voilà, de racheter des dés. Hop, comme ça je peux me faire un petit bleu normalement. Je vais essayer. Il me faut combien pour faire un bleu? Ah bah je peux en faire un. Hop, parfait. Ok. Ah mais j'ai plus d'orange du coup. Ah mais si, attendez. Je vais faire 2 oranges. Voilà. Comme ça, vous voyez, on va avoir 10 minutes de chaque. Et puis on va être pas mal. Je vais attendre un peu pour les mettre. Et puis on va vérifier aussi toujours s'il n'y a pas un petit coffre. Normalement il n'y en a pas. Et puis bonne chance hein. Bon, c'est super rapide c'est vrai. J'avais oublié. Bon bah les gars, c'est parti. On va boire tout ça. On va mettre le petit raccourci Dice. Hop. Et puis c'est parti. Hop hop hop. On va manger ça. Et puis let's go. Ok, et on commence avec un petit solar pas ouf. D'ailleurs j'ai combien de dés? J'en ai 40 mec, c'est énorme. Oh putain, il y a des trucs qui spawnent. 40 dés, c'est franchement pas mal. Et on n'a rien du tout. Apparemment, j'ai un abonné dans le serveur Discord qui a packé un huge, les gars. Shiny, un huge shiny dans les œufs, comme ça. Alors, moi, je peux pas vous mentir, les gars. Je n'AFK pas avec le roll. Je vais vous expliquer après. Attendez, on se met d'abord un petit dé. Hop. Attention. Et pas ouf. Du coup, vous voyez ici, moi, j'AFK pas en faisant des auto-rolls. Ça veut dire que je prends juste les dés. Donc pendant que je dors les gars, je fais juste de prendre les dés. Et vous allez me dire, mais comment tu prends les dés si tu dors? Et bah je vous conseille de regarder ma vidéo tutoriel les gars. Regardez ma vidéo tuto, je vous explique tout. Mais du coup ouais, je fais pas l'autoroll. Parce que l'autoroll, en gros, ça te met des œufs. Et si tu fais pas d'autoroll, ça te met pas les œufs. Vous allez me dire, pourquoi tu veux pas les œufs? C'est parce que les œufs, en fait, ça t'enlève le marchand. Donc là vous voyez, t'es dans le marchand et tout, t'achètes tes dés. Si jamais il y a des œufs qui apparaissent, ça ferme le marchand. Et tu peux plus le réouvrir. Et du coup, c'est pour ça que bah après, t'es un peu dégoûté, quoi. Voili voilou. J'espère que je vous ai bien expliqué. Normalement, vous avez bien compris. Et si vous demandez pourquoi j'ai plus de gemmes, c'est parce que j'ai acheté le Forged Shark. Bah bref, lui, là. Le nouveau huge du pack. Et le Quantum Agony, vous allez dire, mais comment tu l'as eu? Et bah, j'ai fait un 1v1 avec 2 abonnés sur Fortnite. Et puis le vainqueur il avait un huge. Et bah j'ai gagné. Voilà. Par contre, j'ai pas gagné facilement. Hein. Les gars, c'était dur. Hein. On a fait au moins pendant une heure et demie. On faisait que de faire des fights. C'était interminable. Au final, j'ai réussi à gagner à la fin, mais. C'était pas gagné d'avance. Non, mais. Oh, ça m'énerve. Vous avez vu, j'avais le x6 et ça a pas cliqué sur mon dé. J'ai appuyé sur le dé, ça a pas cliqué. C'est pas grave. C'est un peu grave, mais c'est pas grave. Ok, là cette fois ça va appuyer j'espère. Ah merci. Ok, 2 millions, pas ouf. On va se créer quelques dés d'ailleurs. Hop, voilà. On va en racheter encore.
Tu vois, je me mets des petits dés. Hop, je vous conseille de faire pareil. Comme ça, au moins, vous êtes paré directement à l'avance. Hop, là, on sait qu'on a rien. Pourquoi? Parce que vous regardez vos coins. Si les coins, ça bouge pas, c'est que vous avez rien. On va se refaire un petit dé bleu. Boum. Hop. Et comme ça, on est paré directement à encaisser des huge. C'est parti. Ok, là, pareil, on a vu qu'on avait rien à gauche. Mais du coup, attendez, je répète parce que je pense qu'il y en a, ils ont rien compris. En gros, ce huge là, c'est un abo qui me l'a donné sur le serveur Discord. De base, il devait me donner un agony, mais comme c'est trop cher, il s'est dit, vas-y, je vais pas lui donner un agony, c'est un peu trop cher. On va lui donner un petit wizard. En plus, comme il l'a pas, c'est cool. Donc c'est gentil. Le petit quantum agony, je l'ai eu en gagnant un 1v1 Fortnite. Enfin, un 2v1. Et, oh, des œufs. Et le forge chart, je l'ai acheté, tout simplement, avec mes gemmes. Plus aussi avec, oh, j'ai eu, regardez. 60 000, c'est pas mal. Et du coup, je l'ai eu avec toutes mes gemmes, plus un jelly. De toute façon, je peux regarder mes trades normalement. Ouais, regardez. Donc, j'ai trade un jellyfish. Donc, celui-là, c'est celui que j'avais pas packé moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai donné. Parce que vous savez que mes huge, je les garde tous, sauf lui, vu que je l'ai packé. Enfin, c'est pas moi qui l'ai packé. Et du coup, bah voilà. Je me suis dit, quitte à pas le packer, autant qu'il soit stylé. Bref. On continue. Il nous reste combien de dés encore? Il en reste 33. Ça va vite quand même, mine de rien. Et en 33, on n'a toujours rien eu. Enfin, en 40, du coup. Mais là, c'est le bon moment, je le sens. Oh, 60 000. J'ai eu 60 000 en chance de base. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, apparemment, quand tu cliques, ça va plus vite. On va tester si c'est vrai ou si c'est un mensonge, ça. Attendez, on va voir. Prochain truc que je vais tester. Untradeable d'ailleurs, c'est dommage. J'aurais bien acheté 1 milliard de dés, moi. Ok, donc là, regardez, je clique. Ah ouais, ça s'est enlevé direct. Ah ouais, regardez. J'avoue, ça va plus vite. Oh, il y a un coffre qui a spawn. Alors là, si je vais pas le chercher direct. J'espère qu'il est pas là-haut, là, parce que c'est chiant. Ok, je crois qu'il est derrière. Ouais, il est là-haut. Ok, c'est parti. On va se mettre... Tu sais quoi, on va même se mettre un petit dé sur le chemin. Hop. Parce que de toute manière, le temps qu'on le casse, ça va être très long. Donc voilà, autant pas perdre de temps. D'ailleurs, maintenant que j'ai tous les huge en vrai, pourquoi pas mettre en random. Attends, c'est comment qu'on fait? Voilà, comme ça. Enfin, c'est pas random, mais du coup, ça met le meilleur. Hop, comme ça au moins, ça va casser encore plus vite. Ok, donc là, on a rien. Hop. Et avant de casser le coffre, n'oubliez pas d'être au max roll. Comme ça, vous économisez encore plus. Donc là, regardez, vous attendez l'autoroll, vous arrêtez. Et là, dès que vous allez casser le coffre, à la seconde près, hop, faut bien préparer. Vous mettez un dé, boum, ça roll. Comme ça, vous perdez pas une seule seconde. Et là, on a eu 2 millions. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Et là, vous allez voir que les gars, regardez en bas. Je sais pas si vous voyez, c'est une dinguerie. J'ai regardé. Ultra Lucky, Lucky, Lucky Dice 2, Lucky Dice 3, Lucky Dice normal, Super RNG Chest. Et là les gars, je peux vous dire que plus un Lucky Dice, plus 6 fois bonus roll. Ah les gars, ça pack direct, regardez-moi ça, 17 millions. 17 millions, c'est incroyable par contre. C'est incroyable. J'aime bien mettre en haut là, du château. Bon, 17 millions, certes c'est très bien, 17 millions, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut des huge, donc on veut pas des petits trucs comme ça là. Oh non! Wesh, il y a des dés qui sont apparus. Ok, pas ouf les dés. J'ai eu quelques 1600, 1800. Bah bof. Donc là, il me faut combien? Il me faut 222 millions pour la prochaine upgrade. Bah on y est presque en vrai. Mais je pense pas que je vais l'améliorer. Je pense pas. Je vais attendre 288 millions pour que je fasse RNG Huge Luck. Parce que je vais pas vous mytho, j'ai pas beaucoup de huge dans cette mise à jour. Bon, il y en a qui vont me dire, ah, arrête de mytho, t'en as pas mal. Ça va en vrai. Mais comparé à l'ancienne, attends, quoi que en vrai. J'en avais eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Non, 16, parce qu'il y en a un qui c'est pour un abonné. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sans compter lui, ça fait bah, 8. Donc, en vrai, ça va. Je pense que j'en ai même presque plus que... Ouais. J'en ai peut-être même plus.
que l'ancienne mage. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, mais si on calcule sur le long terme. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, bref. On parle beaucoup, mais il nous reste 5 secondes là pour le coffre, si vous voyez juste en bas. Il nous reste 1 seconde pour le coffre. Je pense que ça a compté. Et oui, ça a très bien compté, puisqu'on vient d'avoir un truc à plusieurs millions. On a eu lequel? Bah, je crois qu'il a même pas apparu encore. Je crois qu'on a eu démolition en doré, mais il a pas apparu. Il est pas apparu. Pourquoi je le vois pas? Ah non, j'ai eu le poney peut-être. Ouais, je crois que c'était le poney en fait. Enfin bref, vous avez compris. C'est Steel Axe. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que l'ancienne mage, les gars, j'avais des shiny, des rainbow, des dorés et tout. Et là, cette mise à jour là, j'ai que des... Oh! Non, dommage, 9 millions. J'ai que des normaux, regardez. Normal, 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 normal. J'ai eu un seul gold, c'est pas mal. Mais sinon, avant, j'avais un shiny, j'avais un golden, un rainbow, un autre gold, un autre shiny. Enfin, voilà, quoi. Pas mal. Toudoudoudoudoum. Ok, attention, là on sait qu'on a rien. Pendant ce temps-là, je vais renommer le petit huge qu'on m'a donné. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais le renommer non-pack. Voilà, comme ça je sais que c'est pas moi qui l'ai packé. Hop. Et ça, ça m'évite, tu vois, de me dire c'est le mien, lui, c'est pas le mien. Puis je confonds pas comme ça, tu vois. Parce que tout le reste, c'est moi qui les ai pack. Ça, c'est moi, ça, c'est moi, tout ça, c'est moi. Lui c'est pas moi mais il s'appelle Nono, donc je sais. Et puis les deux là, dans tous les cas, j'ai rien dans mes Forever Packs, donc je sais direct que c'est pas à moi. Ça c'est sûr hein. Ok attention, 140, on regarde à gauche, 141, on sait qu'on a rien. Un peu triste mais pas trop triste. D'ailleurs désolé si je parle pas trop mais je suis un peu fatigué là. C'est la fatigue. Attention. Non. Attends, me dis pas que j'ai mis un dé doré quand même. Bah, j'en remets un au cas où. Ok, j'ai eu 7600. Bon, ah, peut-être qu'un jour j'aurai les trucs bien. Non, en vrai, je pense que dans les dés, enfin dans les œufs, je vous jure, il y a moyen d'avoir des trucs, hein. Je vous jure qu'il y a moyen d'avoir des huge. Genre. En fait, tu vois l'auto-roll. Genre, moi par exemple, regardez. J'ai 240 000 auto-roll. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre 240 000 fois que je roll comme ça. C'est énorme. Et pourtant j'ai eu en faisant tout ça d'autoroll un seul huge. C'est celui-là justement, le jellyfish. C'est le seul huge que j'ai eu en faisant de l'autoroll sans dé, sans boost, sans rien. Pendant la nuit tu vois. Et c'est extrêmement rare. Mais du coup, je me dis, bah les dés, comme dans les dés, t'as des meilleurs trucs. Genre, vous avez vu là j'ai eu des trucs à 2000, à 6000, tout à l'heure j'ai eu 60 000. Bah je me dis... Forcément, si tu laisses les dés toute la nuit, je suis sûr qu'il y a des huge. Du coup, les gars, c'est à vous de décider. Est-ce que vous préférez AFK les dés la nuit ou AFK l'autoroll? C'est à vous de décider, en vrai. C'est à vous de vous dire c'est quoi le plus rentable. Il faudrait que quelqu'un fasse un test. Genre, sur deux comptes différents, vous faites sur un compte que les dés et sur l'autre compte que les autorolls. Et puis, on voit c'est quoi le mieux. Parce que c'est vrai qu'en plus des œufs qui spawnent, il y a aussi les pests basiques de l'autoroll. Mais bon, même si dans ça, il n'y a pas des trucs de ouf. D'ailleurs, on parle depuis tout à l'heure, mais j'ai pas eu de huge encore. Certes, j'en ai eu un sur mon compte secondaire. Mais là, sur mon compte principal, 50 œufs avec tous les boosts du jeu, les meilleures améliorations, et j'ai rien eu pour l'instant. Après, il nous reste 15 dés encore. Rien n'est perdu d'avance, à l'avance. T'as capté. Ok. Ah, je suis tombé. Je voulais pas venir ici. Je suis où? Ouais, je suis dans une maison. Ok, on continue. Ah, j'ai 250 millions de pièces. Putain, mais ça monte pas mal. Ok, 14 dés encore. Là, on sait qu'on a rien. Des fois, je me spoil, des fois, je me spoil pas. Ça dépend. Là, en fait, des fois, j'y pense même pas. Mais quand j'y pense, c'est dur de... Oh, 15 000, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Hop, ok, c'est parti. Là, je regarde, là, je me suis spoil. Ah là là, là, je savais, il n'y avait rien. C'était clair, net, précis. Ouais, je ferais rien, mec, il a 150 milliards. Ah, alors lui, les gars, lui, c'est pay to win, lui. Croyez pas que les gars du classement, c'est des free to play, hein, croyez pas. C'est des pay to win. Et vous allez me dire, mais comment tu peux pay to win dans ce jeu alors que c'est que gratuit avec des dés?
Ah les gars, je crois que vous connaissez pas le Forever Pack, vous. C'est là-dedans. Dans le Forever Pack, ils ont bien ralas, je vous le dis. Et oui. Effectivement. D'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas un petit Forever Pack, nous? Est-ce qu'on se ferait pas un petit Forever Pack? Je vais aller me faire un petit Forever Pack. Alors, attendez, boum. Oh, 79 000, pas mal. On va se mettre combien de Robux? On va mettre un tout petit peu, pas trop. Hop. Ok, on roll encore un peu. Boum, boum, boum. 11 balles, ça va. Tant que je suis pas trop low. En plus, ce qui est bien ou pas bien avec Roblox, c'est que il te facture direct. Il n'y a même pas de confirmation. Genre direct, hop, ça prend l'argent. Ok, c'est parti pour le Forever Pack. En fait, pourquoi j'ai acheté le Forever Pack, c'est parce que je pense qu'on a des bondés. Ah non, c'est des dorés. Attends, je me suis vraiment fait avoir, j'ai cru que c'était des rainbows. Ah ouais, je me suis fait arnaque. Bah du coup, je vais pas racheter en fait. Je garderai mes Robux pour la prochaine fois, les gars. Vous m'en voudrez pas. Après, j'ai quand même quelques dés, attendez. En vrai de vrai. Du coup là il me faut ceux-là. Boum. Ah j'en ai 10 de plus. Ah en vrai attends. Mais j'ai juré c'est rentable. Alors là j'ai juré que je suis rentable. Bon peut-être pas de ouf mais. Un petit peu. Tout petit peu peut-être. Hop. Ça nous fait un petit peu plus de pack opening. 10 dés en plus. C'est cool, c'est cool. Alors attendez, on va se remettre quelques petits dés. Il m'en faut combien là? Je sais pas combien il en faut pour faire un bleu. Ok, là je peux en faire un. Hop. Boum. Je vais le graille. On va se faire un petit doré. Boum. Je vais le graille aussi. Parfait. Comme ça on se rajoute 5 minutes au timer. Puis si je peux en faire plus, j'espère que je pourrai en faire plus. Parce que là, 5 minutes, je sais pas si c'est assez. Bah, j'espère. Pour 17 dés. Bah, 17, c'est beaucoup quand même. Donc, je sais pas. I don't know. Maybe, maybe not. Maybe, peut-être. Et boum. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis beaucoup moins de huge dans cette mise à jour. Genre, ils ont mis un autre Titanic, c'est cool. Mais par contre, ils ont mis que 3 huge. Alors que dans l'autre, il y en avait 4. Ils ont mis un du Forever Pack, c'est cool. Et ils ont mis aussi quelques pets par-ci par-là, regardez-moi ça. Des Pegasus, des Demolition et un Blurred, je crois. Je crois qu'il n'y a que 3 nouveaux pets. Genre celui-là, là. Celui-là et le Blur. Sinon, il n'y a pas de nouveau, hein. Donc c'est pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Hop, on continue. Imaginez, on a un truc de ouf. J'espère, hein. J'ai pas mis des Robux pour rien avoir là. Là, si j'ai mis des Robux, c'est pour avoir un huge. Donc tout de suite un huge sous vos yeux ébahis. J'espère. Ou alors un coffre qui apparaît. Comme ça, le coffre et bah hop, j'ai un truc dedans. Oh non, le seul huge que j'ai pas packé moi-même. Parce que vous rappelez, enfin, dans l'ancienne vidéo, vous avez dit que le jellyfish, je l'avais acheté, je l'avais pas packé. Et bah justement, je l'ai packé maintenant. Ça veut dire que j'ai eu tous les huge de l'ancienne mise à jour. Et l'ancien que j'avais acheté, je l'ai vendu. Mais du coup, là maintenant, il y a un abo qui m'a donné le sorcier. Mais s'il me l'avait pas donné, je l'aurais pas. Mais je le veux quand même par moi-même, les gars. C'est mon objectif. Objectif, avoir tous les huge de la mise à jour. Tu vois, comme si c'était un Pokédex de Pokémon. Du coup, là, il me le faut, les gars. C'est obligatoire. Obligé. Ok, là, on n'a rien. Ça se voit direct à l'avance. Hop. Boum. Ok, on va remettre des petits dés. Là, je sens qu'il n'y en avait pas assez. Comme ça, on va manger un peu. Oh, let's go! Non, putain, je me suis fait bait.
Je me suis fait bait. J'ai cru que c'était un truc bien, mais en fait, non, c'était un démolition. Et encore une fois, c'est très bien pour les coins, mais bon. Les coins, voilà quoi. Voili voilou. Oh! 7 millions, pas mal. Je me suis encore fait troll. Mais là, je savais que c'était pas un huge parce qu'il n'y avait pas marqué 274. Il y avait marqué 271. Donc je savais que c'était 7 millions et que c'était pas plus de 10 millions. Parce que je rappelle que plus de 10 millions, ça, tu veux pas avoir plus que 10 millions de pièces. Donc si t'as plus que 10 millions, tu sais que c'est un huge. Même si tu veux pas avoir plus de 10 millions, mais vous avez compris. T'as capté, t'as capté. Bon, là, on sait qu'on a rien. C'est triste. J'ai combien de Robux d'ailleurs? J'ai 4, j'ai 800 encore. On peut faire pas mal de choses avec 800, non? Bon, je pense pas, hein, mais. Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'on peut faire beaucoup de choses avec 800. Là, on sait qu'on a rien. Hop. On va manger des petits dés. Hop, voilà, comme ça on a bien 6 minutes de dés. Et là en 6 minutes, on a le temps. De toute façon, il y a 6 dés et on met pas une minute par dé. Sauf s'il y a un coffre qui spawn. J'aimerais bien qu'il y ait un coffre qui spawn. On va peut-être aller dans un serveur public pour les derniers. Parce que j'ai vraiment pas eu de chance. Hop, donc je pense qu'on est dans un serveur public. On va voir si la chance elle tourne ou pas. La roue qui tourne va tourner. Putain, mais regardez-moi cette belle team de huge là. Hop, c'est parti. Hop. Et ça y retourne. Wesh, c'était quoi ce bruit de fou? Bon, on vérifie s'il n'y a pas un petit coffre. Parce que tu sais, des fois les gens ils sont AFK. Hop. Et si les gens sont AFK, ils ont pas dû voir qu'il y avait un coffre. Mais il n'y en a pas. C'est qui lui? Ah, mais c'est Shin. Tranquille. Non, mais commencez même pas à me trade, vous là. En train d'ouvrir mes dés, bande de neuil. Attends, je vais regarder quand même dans le chat s'ils écrivent des choses. Rubenos il s'appelle. Rubenos il lâche des trucs. Touloum. Bon, il reste 3 dés, les gars. Comme on dit, jamais 203, jamais 304. C'est le moment. Ok, nul. Wesh, mais attends, Chine, elle a 170 000, enfin, millions de pièces. Enfin, de diamants, en fait. C'est pas mal, quand même. Oh, des petits œufs. Touloulouloulou. Oh, y'a un chest qui a spawn. Enfin, mon rêve. Y'en a eu quoi là-dedans? Que de la merde. Vite, go, go, go. On va aller au coffre direct. Attends, je vois pas bien. Je vais tomber. Ok, c'est bon, je vois bien. On va renlever le chat parce qu'en fait personne m'a parlé. Personne même. Hop. Je croyais qu'ils allaient me dire bonjour. Allez, allez, on casse, on casse, on casse, on casse. Ok, on enlève l'autoroll et on se prépare. On a que 2 dés. 2 dés pour le faire. En vrai, on a le temps carrément. On a tellement le temps. Là, ce qu'il me faudrait, c'est un truc à 10 millions. Ah ouais, mais non. Dans tous les cas, j'aurais pas 288 millions. On va quand même aller au spawn. Chiche. Ok, c'est parti. On va se mettre bien au milieu. Hop. On met le petit dé. Et vous êtes prêts? On va faire carrément avec la touche E. C'est parti. Aïe aïe aïe, le flop. C'est pas grave, il nous reste un dernier. Le der des der. The last of the last. The lasty of the last two. Attention. The last of us. Of us. Attention. Ok, on arrête. On se met devant le Titanic. Ça nous avait porté chance la dernière fois. Hop. Je lui fais un bisou comme ça. Et c'est parti. Dommage. Coup dur. C'est triste. Est-ce qu'on peut en faire un dernier ou pas? Avec un peu de chance. Oh, il y a des œufs qui ont spawn. Bon, avec un peu de chance peut-être. Non, on peut pas. On peut pas du tout en faire un dernier là. Bon bah dommage, et puis GG. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Un petit roll x6 peut-être, non. Yo les mecs, comment ça va tout le monde? Alors les gars, si vous voulez tout savoir, je viens d'ouvrir 50, non même plus. Je viens d'ouvrir, attendez, je calcule, 30, 60, 75, ouais.
Je viens d'ouvrir entre 70 et 100 des Rainbow, les gars. Donc c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. 70 et 100 sur mes comptes secondaires. Et les gars, je n'ai pas eu un seul huge. Genre, mais quand je vous dis pas un seul, c'est pas un seul. Du coup, je suis un peu dégoûté là. Mais du coup, j'espère que toute la chance que je vais avoir, eh ben, ça va être dans le jeu. Et puis, on va voir, hein. On va voir, on croise les doigts. Alors déjà, mes améliorations. Ah, mais je pourrais améliorer ça, mais... Je vais garder pour les huge, non? Egg luck for RNG. Allez, tu sais quoi? Hop. De toute façon, les gars, on n'a pas que ça à faire. Moi, j'améliore directement. Hop, ici, on va se faire nos dés. Boum. Boum. Et boum. Oh, 50, c'est énorme. D'ailleurs, on va quitter. On va aller dans un serveur privé pour faire les dés bleus. Hop. Ça, c'est une strat que je vous conseille. Si vous n'avez pas de potes qui ont un serveur privé, faut que vous en trouviez, les gars. Parce que moi, Meg, elle est trop gentille. Elle a un serveur privé. En plus, elle l'utilise même pas. À chaque fois que je vais dans son serveur privé, il n'y a personne. Elle est toute seule. Enfin, même pas. Elle est même pas toute seule, vu qu'il n'y a personne. Genre, même elle, elle n'utilise pas son serveur. Hop. Voilà, magnifique. Et du coup, hop, déjà, vite fait, est-ce qu'on a des cadeaux? Ah oui, il y a des cadeaux. Petit cadeau. Mais non! Wesh! Encore des cadeaux pour les abos. Ah, ça, c'est pour les abos. Donc, attends, ça, je récupère. C'est pas pour moi. Enfin, c'est pour moi, plutôt. Encore pour les abos. Et cadeau. Wesh! Mais non. Mais wesh. Bah, Aizen, tu passeras dans la vidéo. Et Maxime aussi. Les gars, merci beaucoup. Déjà, merci pour les petits sacs, c'est sympa. Mais du coup, un huge kangourou doré. C'est l'un de mes huge préférés, il est trop mignon. Oh. Par contre, le prix, comment il a baissé, c'est une dinguerie. Bon, bah, merci beaucoup, beaucoup, Maxime. T'es trop gentil, tu régales. Et le huge sorcerer golden de la part de Aizen. Non, les gars, vous régalez, c'est une dinguerie. Bah les gars, là vous êtes dans la vidéo direct, je vous le dis direct. Attends, j'ai envie de voir les huge quand même, à quoi ils ressemblent. Bah non, c'est pas lui. Alors attendez. On a celui-là et celui-là. Oh là là, ils sont trop stylés. Merci beaucoup les mecs. D'ailleurs, je vais mettre un petit charme, hop. Je vais mettre ça. Attends, le non-paquet. Attends, bah je vais mettre ça. Ah mais c'était l'autre, celui-là. Et puis là, du coup, il y a deux petits pets pour les abos. Deux classiques bunny. Et bah, merci beaucoup, BG. On va les mettre dans la boîte des abonnés. Hop. Donc, pour tous ceux qui demandent, les gars, ça, c'est la boîte des abonnés. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pour les abonnés. Et tous les huge aussi, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est incroyable. Hop. En tout cas, trêve de blabla. On va aller dans le RNG Event. Moi, je suis très content. J'ai eu deux huge gratuits. Vous êtes trop gentils. Et en plus, c'est ma meilleure aura, regardez. C'est ma meilleure aura maintenant. Oh là là. Et bah, j'espère qu'on va avoir mieux dans cette vidéo. On va voir. Peut-être qu'on aura mieux, on sait pas. Hop. Donc là, je peux faire des petits Lucky Dice. Un méga Lucky Dice. Et là, on peut racheter des dés. Hop. Alors, laissez-moi regarder. Ah, mais je peux en faire que un pour l'instant. Là, pour l'instant, on va faire que un et puis on verra après. Hop, ok, c'est parti. Premier dé, let's go. Et on commence directement avec un petit solar. Ok, on commence tranquille, les gars. Tranquillou. Par contre, le huge, il est très stylé celui qu'il m'a donné, mais il fait mal aux yeux. Un frère tout jaune comme ça, il fait un peu mal aux yeux. Hop, on va monter directement ici. Vous avez l'habitude, à chaque fois j'y vais. Wesh, pourquoi? Wesh, pourquoi il y avait une adresse bizarre? Attendez, je vais faire copier-coller, hop. Ok, Solar. Du coup, attendez, j'ai pas regardé, j'avais combien de dés? J'en ai 50. J'en avais pile 50. Ok. On va se mettre ici directement. Et puis, on va open un max. Hop. Ok, c'est parti. Touloulouloum. Ok, nul. D'ailleurs, les mecs, il y a un abonné. Je vous promets que c'est vrai. Il a packé le Titanic. Et pas en normal. En golden, frère. Déjà que packer le Titanic, c'est une dinguerie. C'est impossible. Mais là, le mec, il a eu en doré, frère. C'est une masterclass. Genre, vraiment. Je suis choqué. Comment c'est possible, genre? D'ailleurs, attendez. Je vais écrire aussi sur le huge qui m'a donné que je l'ai pas packé.
Si, je sais que c'est pas moi qui les pack. Hop, voilà. Comme ça, sont huge, tu vois. Il y a écrit non packé. Et je sais que c'est pas moi qui les packé. Parce que imaginez, sinon, il y a écrit que je les pack et tout. Alors que c'est même pas vrai. Hop, on va se refaire des petits dés. Boum. J'ai combien de dés dorés? Attendez. On va s'en manger quelques-uns. Hop, pour avoir 25 minutes. Et après, on va faire des dés bleus. Hop. On va les manger aussi. Hop. Voilà, comme ça, on a 20 minutes de dés. Et c'est parfait. Là, au moins, les gars, avec 20 minutes de dés, on est sûr d'avoir ce qu'il nous faut. Ah, en tout cas, je suis très content, moi. On aura peut-être pas de huge. Non, en vrai, je rigole, parce qu'on a quand même 50 dés, les gars. Sachant que je viens d'ouvrir 100 dés sur mes comptes secondaires. Donc, ça fait 150 dés. Donc, si on n'a rien, c'est pas normal. Mais même si on n'a rien, de toute façon... Les deux abonnés sont trop gentils, Aizen et Maxime, je crois. Et bah. Ils sont trop gentils. Grâce à eux, j'ai une aura incroyable. Et le kangourou doré, même si c'est pas une aura, il est très stylé. Moi, je l'aime bien. Et en plus, c'est trop bien parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Attendez, je vais vous montrer juste après, bougez pas. Hop, d'abord, on fait un petit dice. Du coup, regardez. Vous voyez tous les huge là, les gars? Ça, c'est que pour les abonnés. Et le truc c'est que quand je reçois des cadeaux de huge etc, en général c'est à faire gagner aux abos. Et c'est pas pour moi. Du coup quand je vois des cadeaux ils sont pour moi, je suis trop content. Ça veut dire que enfin je peux avoir des huge. Alors que d'habitude c'est que pour les abos. Et après tout le monde est jaloux. Attends, par contre mon dé, je rêve où il s'est pas mangé. Oui c'était trop bizarre. Vous avez entendu ou pas? Genre ça a fait un petit bruit. C'est trop bizarre. J'ai peut-être mangé un autre truc, non? Qu'est-ce que j'aurais pu manger? J'espère que j'ai pas mangé un truc qui était rare. Parce que j'ai des items, ils sont assez rares et je les mange des fois. Oh! Il se passe quoi? Ok, des œufs. Attention, OMG. Et que dalle. Bon, en général, dans les œufs, on sait qu'on a rien, mais bon. C'est un peu triste. Hop, petit dé. Nul. Nul, Germain. Eh, hey, vraiment, je pack des dingueries parce que... Imaginez, je pack que de la dé. C'est trop nul. Ok, c'est parti. On a encore 20 minutes de dé. Normalement, on est suffisant. Mais bon. J'espère qu'on va trouver aussi un petit coffre d'ailleurs. Parce que dans les coffres, vous avez pas mal d'items. C'est trop dur de monter là. Surtout avec une aura quand on voit rien. Oh! Non, dommage. Oh, j'y ai cru. En fait, c'était juste un démolition. Dommage, ça aurait pu en vrai. Hop. Ok, on continue. Boum. Ah, j'ai eu Lightning, j'ai même pas vu. D'ailleurs, les gars, j'étais en Discord avec un mec qui avait 500 méga dés Rainbow 2. C'était une dinguerie, le mec, il avait tellement de dés. Et il les a eu dans le Forever Pack. Sauf que moi, les gars, le Forever Pack, je l'ai acheté 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et je n'ai jamais rien eu. J'ai jamais rien eu, donc je suis dégoûté. Même pas un seul dé, frère, c'est pas normal. Et le mec, il a eu que des huge, les gars. Il a eu plein de huge normaux. Il a eu 5 huge arc-en-ciel, 2 huge dorés. Enfin, c'est une dinguerie. Bon, peut-être j'abuse les 5 arc-en-ciel, mais je crois qu'il a eu 2 ou 3 arc-en-ciel. Il était vraiment trop chanceux, ce mec. Alors que moi, regardez, les gars. À part le nucléaire dog en doré, j'ai packé que des normaux. Parce que les deux là, c'est pas moi qui les ai pack. Mais bon. Ok, on continue. Toujours rien. Aïe, 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 aïe. C'est dur, dur, dur. Et les gars, il nous reste officiellement que 35 dés. Oui, oui, vous rêvez pas. 35 dés. Par contre, il y a eu un blanc de ouf, là. Il y a eu un méga blanc. 35 dés, c'est chaud, chaud, chaud. Mais bon,
C'est possible encore. Moi les gars, je pronostique au moins un huge en vrai. Je sais pas vous dans les commentaires, j'espère que vous aurez pronostiqué. Moi je pense un huge c'est possible. Mais pas plus, parce que 2 ça m'a l'air impossible. Et 3 encore pire. Encore pire. Après, c'est qu'une question de chance. Hein. Ça se trouve, je vais avoir 35 huge en 35 B. Ça se trouve, 0. Tu vois, c'est le hasard. Ok, bah pour l'instant, c'est plutôt 0 que 35, mais... C'est pas grave, on persévère. Boum. Encore, encore. Doudoudoudoudoudoudoum. Ok, on a failli avoir un truc cosmique. Par contre là il me faut 200 millions. Parce que le RNG extra egg, je pense que je l'améliorerai clairement pas. Voilà, clairement. Mais du coup il me faut huge chance. Après huge chance je suis déjà à 100%, donc bon. Est-ce que c'est vraiment utile? Oh, il y a un coffre qui a spawn. J'espère qu'il a pas spawn en haut. Oh, il a spawn derrière là-bas. Derrière c'est un peu chiant, faut y aller à pied et tout à chaque fois. Laisse tomber. Hop. Ok, c'est parti pour péter le coffre. On va lui péter la gueule au coffre. Let's go, let's go. Let's go, let's go. D'ailleurs les gars, est-ce que vous connaissez des gens encore moins chanceux que moi ou pas? Je sais que sur mon serveur, il y a des fois des abos en 50D, ils ont rien du tout. Mais moi les gars, en des fois 200D, j'ai rien. Je pense que je suis le mec le moins chanceux de la Terre. Genre vraiment, vraiment. C'est une dinguerie. Bon, ça tourne super vite. On n'a même pas le temps de parler que... Ok, alors attendez. Hop. Avant de casser le coffre, on va roll un petit peu pour qu'on soit bien optimisé. Hop. Boum. On se prépare. Ok, maintenant qu'on a le roll, on casse, on tourne, et là, masterclass. Ah non, pas ouf. On a combien de chances? On a 100% pour 2 minutes. Non, en vrai, 100% c'est énorme normalement. Donc là, normalement, je passe de 1 chance sur 300 à 1 chance sur 30, ça veut dire. Donc là, normalement, je suis censé avoir un huge 100%. Au pire, vous savez quoi, les gars? Vous savez quoi? Je mets tous mes dés. C'est parti. J'ai tout mis les gars. J'espère que c'est pas la pire erreur que j'ai fait. J'espère. Ok. Bleu Red, lui est stylé, lui je l'aime bien. Ça se trouve c'est la pire erreur que j'ai fait, mais en fait je me dis les gars. Je me dis, comme on a un coffre x 100% de boost, logiquement je suis censé avoir des trucs bien. Donc c'est pas grave si je mets tous mes dés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté. Bon, pas sûr que ça marche, mais... Ouais, non, la strat est plus la merde. Faites surtout pas comme moi, en vrai. Ah non, c'est la pire idée. Il reste que 50 secondes en plus à mon coffre. J'aurais dû clairement mettre moins de dés que ça. Non, démolition. Putain, j'ai cru que c'était un huge. Je suis dégoûté. Les gars, quand j'ai vu 18 millions de puissance, j'ai cru que c'était un huge. Alors que pas du tout. Il reste que 35 secondes au dé en plus. Enfin, au coffre. Oh, je suis trop dégoûté là. Oh, je suis vraiment trop dégoûté. Oh, en plus, il y a des coffres qui apparaissent. Oh non, la pire chose. Enfin, des œufs, je voulais dire. On s'en fout des œufs. Tournez, tournez, tournez. Oh, il reste que 15 secondes. Oh non, la pire chose. Oh, la pire chose. Il reste que 7 secondes. 6. 5, 4, 3, 2, 1, un dernier. Allez, le dernier, le dernier, le dernier. Non. Bon bah il ne reste plus que 3D les gars. 3D pour tous les gouverner. Nul. Oh, let's go enfin sur le dernier. What? Let's go. Purée. Sur le dernier, let's go. Bon c'est le pire mais c'est pas grave. Oh purée, enfin, sur le dernier. Oh là là, c'était sur le dernier œuf. Le dernier dé. Genre littéralement le dernier. Oh, je suis choqué. Let's go.
Moi je suis content hein. C'est mieux que rien du tout en vrai. Mais quand même ça dégoûte hein. Ça dégoûte les gars. Frère. Tout ça pour vas-y. Tout ça pour ça. On va quand même s'en faire un petit dernier d'ailleurs. Je pense que j'ai assez pour en faire un dernier. Juste avant, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre un petit charme, hop. Voilà. Quand je mets un charme comme ça, je sais que c'est mon huge, tu vois. Sauf qu'il y en a un. Attends. Genre, il y en a un que j'avais mis un charme, c'était pas le mien. Je sais plus c'est lequel. Ah, lui, j'ai mis un charme diamant. Bon, on s'en fout un peu, mais. Ok. On va se faire le tout dernier, les gars. The last of the last. The day of the day. The day of the D. The motherfucking D. Hop. C'est parti. Le der des der. The dice of the dice. C'est le mec qui abuse. Vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Oh le flop. Bon bah les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins on a eu un huge, j'ai envie de vous dire. C'est mieux que rien. Et puis je crois que je vais vous mettre quelques petits passages de clips où j'ai eu des huge d'autres jours, etc. Donc j'espère que ça vous a fait kiffer quand même. Et puis likez, abonnez-vous et puis ciao.